Le seigneur Barry Wipe informe la guilde qu'un guerrier mécanique est arrivé avec un message enregistré. L'empereur Léolique est mort en portant le secret des ambitions de Dagon avec lui. Mais il a laissé des indices. Citron et sa compagnie ont retrouvé Nirant, le contact des draps devant la crypte d'Ogelbach, dans la lampe de pierre, le territoire des Argoniens de Sulkzal. Nous avons découvert les deux premières ambitions. Les jumeaux, Alia et Détron. Des tenteurs de grand pouvoir et enfermés dans ce donjon. Les voilà de retour à Ginevra pour informer Kishu et l'Aileron Noir de leur progression. Ces deux-là seront en sécurité à Gideon, Evely. Je vous en donne ma parole. Merci, gouverneur. Vous avez bien fait d'amener ces jumeaux à Gideon. Je m'assurerai qu'ils soient bien protégés. Mais ce que m'a dit Evely est vrai? Ce sont eux, les ambitions que vous cherchiez? C'est ce que nous pensons, et c'est aussi ce que pensent les adeptes. Et Destron a fait preuve d'un grand pouvoir. Oui, Evely m'en parlait justement. Des armes d'Edric aux traits impériaux. Intéressant. Qu'allez-vous faire des jumeaux? Eh bien, nous allons les nourrir et leur donner un endroit où dormir. Nous les protégerons. Mais, et vous? Savez-vous comment trouver les autres ambitions? Ou quoi faire à propos de Vandacia et de sa secte? Je ne suis pas très sûr. Je vous suggère de commencer à établir des plans avec Evely. Pour quelqu'un de si récemment éclos, elle a une très bonne intuition. Et son cœur est bon. Vous devez avoir un avis sur ce qu'il faut faire. Au mieux, je peux émettre des idées dans le vide. Evely et vous connaissez mieux la situation que moi. Pour ma part, je vais mobiliser la Légion de l'Aileron Noir et m'assurer que les jumeaux seront bien installés et en sécurité. Je vous en donne ma parole. Autre chose avant que nous partions? Comme je l'ai dit à Evely, une messagère est arrivée un peu avant vous. Une fois que votre partenaire et vous aurez finalisé vos plans, allez lui parler. Elle insistait pour vous remettre son message en main propre. Et j'irai. Bon, nous avons trouvé deux des ambitions et les avons arrachées aux griffes de la secte. Il ne reste qu'à trouver les deux autres et éliminer Vandacia. Vous savez où nous pourrions trouver les autres ambitions ou Vandacia? Encore, mais nous trouverons certainement, c'est souvent le cas. En attendant, prenez ceci, votre part de notre prime versée par les Yawin. Je n'aurais jamais trouvé et sauvé les jumeaux sans votre aide. Merci. Je vous en prie. Pendant que le gouverneur Keshu se charge de Destron et Kalia, nous devons déterminer ce que nous allons faire. Je me demande si le capitaine Riant a des nouvelles de Vandacia. Oh, j'ai failli oublier. Keshu a dit qu'un messager nous cherchait. Il attend de vous remettre sa missive. Vous savez qui a pu envoyer ce messager? Peut-être le capitaine Riant ou le conseiller Lovidicus. Ils ont peut-être envoyé des nouvelles de Vandacia. Je suis sûre que ce rose opuant est encore là à chercher les autres ambitions et les jumeaux, bien sûr. Vandacia ne s'arrêtera que si nous l'arrêtons. D'accord. Que voulez-vous que je fasse? Parlez au messager. Découvrez qui l'a envoyé et ce qu'il nous apporte. Enfin, si vous voulez encore nous aider. Techniquement, vous avez déjà terminé la mission que le capitaine Riant vous avait confiée. Alors, qu'en dites-vous? Je veux vous aider, j'irai voir le messager. Le messager vous attend là. Parlez-lui et découvrez ce qu'il nous a apporté. Vous savez qui a pu envoyer la messagère? De quoi sa missive parle? Non, je vous attendais. Et puis elle insistait pour vous remettre son pli en main propre. Ses instructions sont apparemment très claires. On m'a demandé de faire en sorte que cette lettre vous parvienne directement, mercenaire. Je dois rester jusqu'à ce que vous l'ayez lue. Qui vous a engagé pour me porter cette lettre? Il ne s'est pas présenté. Il m'a simplement donné la lettre et mes instructions, ainsi qu'une somme d'or généreuse. Il m'a aussi demandé si je connaissais un établissement qui sert du goulash de bazar. Mais ça a été la fin de notre conversation. Cette lettre est pour vous, mercenaire.
Pardonnez ma prudence, mais il y a des yeux curieux partout. J'ai des renseignements qui vous sont désespérément utiles, des choses que j'ai apprises depuis notre exploration dans ces ruines étranges. Venez au manoir d'Amnis au sud de Gideon, juste vous et l'elfe des bois. Ne parlez à personne d'autre, je vous demande une discrétion totale et votre confiance. Certains douteraient sans doute de mes intentions. Je pense que c'est l'Irante. Alors, que dit la lettre? Alors, est-ce que la lettre disait quelque chose d'important? La lettre n'est pas signée, elle nous demande d'aller au manoir Amnis, du côté sud de la ville, seule. Une lettre anonyme qui vous demande de venir seule dans un vieux manoir inquiétant? Ça n'est pas louche du tout. Bon, nous n'avons pas de meilleure piste que ça. Je vous retrouve sur place. Miri, je vais te demander de te séparer de la compagnie le temps qu'on tire cette histoire au clair. À bientôt. Il était temps. Je me demandais si j'avais engagé le mauvais messager. Elam Darals. Qui l'eût cru? Alors, vous avez reçu mon message? Je craignais d'avoir engagé un messager incompétent. Vous savez, ceux qui prennent votre or et jettent votre lettre sur le tas de fumier. J'ai dû en éliminer plus d'un dans mon existence. Votre lettre disait que vous aviez des renseignements? Ah, on passe directement au travail. Je voulais vous demander si vous aviez goûté l'anguille séchée à la sauce de cassis, à l'œuf et le marteau. Il paraît que c'est leur spécialité. Bon, Vandacia, j'ai creusé la question et j'ai trouvé le nom d'un lieu, le manoir Amnis. Quel est le lien avec Vandacia, ou des œufs avec un marteau? Eh bien, j'ai réfléchi. Une secte comme la Flamme éveillée, ça représente des frais. Il lui faut des mécènes, n'est-ce pas? Bien sûr que oui. Bref, Matthus Amnis est un partisan notoire de Vandacia et un dagoniste secret. Il paraît qu'il est très généreux. Et qu'est-ce que je vais trouver sur place? Eh, je ne vais pas faire tout votre travail quand même. Fouillez le manoir. Dans les coins sombres, on murmure qu'il va se passer quelque chose d'important. Un événement. Et ça empeste Vandacia. Peut-être que vous trouverez de quoi il s'agit. On va essayer. Des mystères, toujours des mystères, encore des mystères. Pardon d'avoir mis si longtemps à arriver. Jetons un œil. Matthus, as-tu reçu mon invitation? Les réceptions du conseiller Vandacia sont toujours spectaculaires, il paraît que celle-ci sera toute particulièrement. Je suis partisan, fervent conseiller des entreprises depuis presque aussi longtemps que toi, et nous apprenons tous les deux par cette organisation très spéciale. J'ai toujours un sentiment que nos efforts... Nanana. Encore une chose, sais-tu ce qui se passe chez Salvito? Salvito, sa propriété près du lac de Bois Noir, on dirait que Vandacia a décidé de faire profil bas avant la réception. En fait, il avait cherché refuge chez Gracian Salvito. J'ai hâte de vous revoir à l'événement et nous devons profiter du voyage pour rattraper le temps perdu, ton frère éveillé, Maurice. Vandacia pourrait se trouver sur la propriété des Salvito, près du lac du Bois Noir? Mais de quel genre d'événement parle-t-il? On va le découvrir. Vous êtes cordialement invité à assister à l'événement tout à fait particulier en compagnie de vos frères et sœurs de notre ordre exceptionnel. Le gracieux conseiller Vandacia vous représentera un spectacle fondateur comme lui n'en a jamais vu. Il aimerait partager ses réjouissances avec vous. Veuillez trouver ci-joint une pièce spéciale. Les détails concernant le transport, le logement, les vêtements. Donc il y a un costume avec. Ce n'est que la lettre d'accompagnement. Il manque l'invitation et la pièce. Oui. Je trouve curieux qu'on nomme directement Vandacia alors qu'il était censé garder le secret.
les vides. On dirait que Amnis est déjà sur place pour cet événement inconnu. Je crois que nous ne trouverons rien de plus. Repassons ces preuves en revue pour voir si elles nous apprennent quelque chose. Cette lettre à Amnitz suggère que Vandacia est allée chez Salvito. Oui, ça dit que leur propriété se trouve près du lac du Bois Noir. Et ça parle d'une sorte de réception. Je pense que Amnitz et l'expéditeur de cette lettre font partie de l'ordre de la Flamme Éveillée. Des dagonistes à Gideon. Vous vous rendez compte? Il dirait que Vandacia compte utiliser cette réception pour révéler quelque chose de spécial à ses adeptes. Je me disais la même chose. Aurait-il trouvé les deux autres ambitions? S'agirait-il aussi de Jean? L'enfendu! Les mystères, ça me donne mal à la tête! Je préférerais avoir une cible claire pour la cribler de flèches! Nous allons aussi trouver une partie de l'invitation, et remarquer que sa penderie était vide. On dirait que cette réception nécessite de voyager, et de présenter une pièce particulière. Puisque nous n'avons ni pièce ni invitation, il faut aller à la propriété Salvito. Je crois qu'elle se trouve au nord de Gideon, près du lac du Bois Noir. Mais... Je vous retrouve sur place. Très bien, je vous donne rendez-vous là-bas. Voilà, Vidi. Des intrus! Arrêtez-les, mes frères! Je n'ai pas envie de vous faire du mal, mais je vais le faire. Il s'est enfui par la fenêtre. Arrêtez-les, mes frères! Je dois atteindre mon bateau! Laissez-moi partir! Que voulez-vous? Voilà. Des gemmes, de l'or, des bijoux? Quoi que vous vouliez, vous l'aurez. Mais ne me faites pas de mal. Le conseiller Vandacia, où est-il? D'accord. Vandacia était là. Il est passé pour rendre visite à son nouveau protégé. Mais il est parti depuis longtemps. Si vous vous dépêchez, vous le rattraperez peut-être. Son nouveau protégé? Enfin, son prisonnier. Il est passé nous le montrer, en avant-première. Oh, je vous en prie, je ne devrais rien vous dire de tout ça. Cela va à l'encontre de notre code. Parlez-moi de cette réception. Où aura lieu et comment m'y rendre? Aucun étranger à l'ordre n'aura le droit de... Bon, d'accord. Je vois que je ne pourrai pas vous dissuader. Prenez mon invitation et ma pièce. Il vous faudra les deux pour monter à bord. Le bateau s'appelle la Calamité. Il quitte les quais de Leyawin d'ici peu. Un navire amarré à Leyawin? Où Vandacia donne-t-il sa réception? Et il a un prisonnier? Il a dû trouver une des ambitions. Salvito nous a donné son invitation et cette pièce étrange. Faites-moi voir ça. Quelle pièce étrange! Le symbole dessus, on dirait les symboles dans le livre que j'ai. Tenez, vous devriez garder la pièce. Au moins maintenant, nous savons comment aller à la réception de Vandacia, ou quel est le lieu. Alors vous pensez qu'on devrait embarquer sur ce navire? Tout à fait. Allons à Leyawin. D'après l'invitation, la réception exige une tenue de soirée. Alors nous devons aller chez un tailleur avant de partir pour les quais. Je vous retrouve près du grand arbre, juste après les portes de la ville. Une fois que je me serai occupé de Salvito. Je vais regarder ailleurs. Amusez-vous bien. Allez, Salvito! On va te livrer au gouverneur Trachère.
Cher Miri, je pense avoir trouvé un soigneur qui pourrait nous accompagner. Je marque le lieu sur ma carte, nous allons y aller de ce pas. Par ici, j'ai besoin d'aide. Bastion. Ouais, c'est lui. Je ne sais pas lequel des huit divins vous envoie à moi, mais je suis heureux de vous voir. Je m'appelle Bastion. Restez sur vos gardes, mon ami. J'ai été accosté ici même par une elfe noire. Elle est entrée dans la caverne il y a quelques heures. Elle pourrait en sortir à tout instant. Quelle elfe noire ? Quelle caverne ? L'elfe noire Tenarei Vels. C'est une voyageuse que j'ai rencontrée sur la route. La caverne s'appelle le Creux du Mépris. On y entre près des quais. Je suis là pour sauver un certain Quistley Sylvel. C'est sa famille qui m'envoie. Je crois qu'il a un problème. Et qu'attendez-vous de moi ? Détachez-moi, s'il vous plaît. Les Sylvel seront généreux si vous m'aidez à sauver Quistley. Et j'ai besoin de renforts. Est-ce que ça vous dit ? Oh, et fouillez la cabane. Je crois que Tenarei a fait tomber quelque chose pendant notre combat. Je vais voir si l'elfe noir a laissé des indices sur son passage et je vous aiderai à sauver Quistley. Si vous m'accompagnez dans mon aventure, j'ai besoin d'un soigneur. Bon, merci. Regardez autour de vous, voulez-vous ? Je prends ça pour un oui. Ce que mon assaillant a laissé tomber. Allons-y. Le contrat de Tenarei. Comme promis, notre accord par écrit, je suis un peu insulté que vous refusiez de me croire sur parole, alors que nous connaissions depuis si longtemps, mais soit. Vous devez me rapporter Quistley Sylvel au syndicat de Leyawin, de préférence vivant. Si vous faites cette dette envers moi, le syndicat sera... Votre dette envers le syndicat sera effacée. C'est si le Sylvel a du mal à se rappeler de ses dettes. Les Sylvel sont riches, une riche famille d'Aquilantes. Ils pourront peut-être payer les obligations de leur fils, et sinon je trouverai un autre moyen de rentabiliser sa présence. Emplacement actuel, a quitté la ville il y a quelques semaines, affirmé se rendre à Gideon. Il n'est pas trop sur la route. Hein. La Porsche Vieux Couteau s'habille comme un bon à rien, riche, ok. Espérons que les contrebandiers ne le tueront pas avant qu'il règle sa dette. Lars Toul. C'est un certain vous Lars. Quelque chose ouais. Faites-moi voir. Tiens. Une lettre ? Il me semblait bien que Tenarei avait fait tomber quelque chose de sa sacoche quand elle m'avait attaqué. Oh, mais c'est un contrat. Tenarei Vels doit ramener Quistley pour régler ses dettes à Leyawin. Tenarei Vels et vous traquez la même proie mais pour des objectifs différents. Bon sang. Ça explique pourquoi Tenarei m'a assommé et saucissonné. C'est clair. Bien sûr. Cet idiot de Quistley a dû jouer plus que ce qu'il possède. Ce n'est pas la première fois. En général, il supplie ses parents de l'aider. Tenarei a une longueur d'avance sur nous. Je devrais le laisser à l'elfe noir. Mais ce serait... déshonorant. Nous ferions mieux de la rattraper. J'aimerais bien la laisser saucissonner et bredouille quand j'emmènerai Quistley sous son nez arrogant. Allons trouver Quistley. Ce n'est pas pareil pour Quistley. Il n'a pas l'habitude de vivre à la dure. Hormis quand il va jouer dans les tavernes les moins reluisantes de la ville. Vous aviez dit à Tenarei que vous partiez sur le mépris. Sans doute. Oui, oui, je lui ai dit. Nous discutions au bord de la route. Je ne m'étais jamais dit que quelqu'un d'autre pourrait chercher ce sale garnement. Ce n'est pas la première fois qu'on me demande de tirer Quistley des ennuis. Vous n'avez pas l'air d'apprécier Quistley. Je devrais le cacher un peu mieux, j'imagine. Nous avons grandi ensemble, plus ou moins. Hormis que c'est le fils aîné d'une famille noble et que je ne suis qu'un petit orphelin qu'ils ont recueilli. Quistley ne me laisse jamais l'oublier. Vous veillez sur Quistley depuis tout ce temps ? Eh bien... c'est la moindre des choses. Les Sylvel m'ont adopté et éduqué en même temps que Quistley. Ils ont même engagé un tuteur lorsque j'ai exprimé mes premières aptitudes magiques. Je leur suis redevable. Et si je dois veiller sur Quistley pour les remercier, ainsi soit-il. Tenarei a-t-elle réagi quand vous lui avez parlé de votre mission ? Non, pas que j'ai remarqué. Elle a dit de se méfier des contrebandiers le long de la côte, puis elle est partie de son côté. Elle a dû me suivre à distance discrètement.
quel idiot. J'aurais dû être plus attentif. Pour un aventurier, donner les détails de sa mission, c'est un peu stupide. Enfin bon, vous travaillez souvent pour les Sylvel ? Tout le temps, mon ami. La maison Sylvel a des intérêts dans une dizaine de villes. Je parcours tout Tamriel pour leur compte. Je suis mage, mais je passe mes journées le nez dans les contrats et les manifestes de livraison. Et à chercher Quistley. Si ce travail ne vous plaît pas, pourquoi le faire ? Allons-y. Attention, ça glisse. Cet endroit nous réserve peut-être des surprises. C'est la première fois que je dois chercher Quistley dans un lieu aussi rustique. Ce n'est pas son style habituel. Quistley s'est vraiment attiré des ennuis, cet idiot. Ses racines. Oui, on dirait qu'il y a un passage dessous. Comment Quistley a-t-il pu supporter cet endroit ? Ce n'est pas vraiment luxueux ? À l'aide ! À l'aide ! Quelqu'un ! Parlez moins fort ! S'il faut vous regardez, entendre. Ils ont des prisonniers. Nous ne vous voulons aucun mal. Nous cherchons Ix. Quelqu'un. Par ici ! Faites-moi sortir avant que ces adeptes ne me tuent ! Faites-moi sortir aussi ! Il y a des adeptes de Cytis dans ces cavernes, et ils sacrifient mieux des gens ! Mieux vaut ne pas traîner ! Fuyez, si vous tenez à la vie ! Merci ! Nous sommes ici depuis des jours ! Vous devriez sortir aussi, étranger ! Ces personnes, les destructeurs, ils sont fous ! Je crois qu'ils se préparent à sacrifier des gens ! Qu'est-ce qui peut bien les y pousser ? Nous cherchons un breton appelé Quistley Sylvel, vous l'avez vu ? Je ne connais personne de ce nom, mais ça ne signifie pas qu'il n'est pas dans les parages. À part les adeptes, ces derniers jours, je n'ai vu qu'une elfe noire qui est passée discrètement. Elle nous a fait signe d'attendre, puis elle est partie sans rien dire. Je devrais partir. Attendez, qui sont ces gens et pourquoi vous ont-ils capturés ? Ce sont des adeptes, je crois. Ils suivent une certaine fille de Cytis, et ils parlent de sacrifice aux destructeurs. J'étais sur la route de Gideon quand ils m'ont capturé. Encore Mérinès Dagon. Oui, prenez le passage vers le sud et soyez prudent. Avant de continuer, parlons un peu. Des adeptes ? Ça explique une partie des décorations. Autant pour l'hypothèse des contrebandiers. Je ne m'attendais pas à devoir traverser tout un antre d'adeptes pour sauver Quistley, mais soit. À quoi est-il mêlé cette fois ? Que savez-vous sur les adeptes de Cytis ? Que voulez-vous que je sache ? Ils vénèrent un dieu de la mort, des ténèbres et du chaos primordial. Ça ne donne jamais rien de bon. Quistley s'attire toujours des ennuis, mais cela tourne généralement autour des dés ou de l'amour. Il pourrait courir un vrai danger cette fois. L'elfe des bois a vu Ternarai Vase passer il n'y a pas longtemps. Elle veut aussi capturer Quistley en vie. Laisser Quistley rejoindre des criminels en colère n'améliorerait pas vraiment son sort. Il le mérite peut-être, mais je ne veux pas le laisser à Ténareï Vels. Je vais capturer un de ses adeptes et obtenir des réponses. Mais pourquoi vous sentez-vous responsable de Quistley ? C'est une longue histoire. Disons que j'ai une grande dette envers sa famille. Quistley et moi avons plus ou moins grandi ensemble. Les Sylvel comptent sur moi pour prendre soin de lui, ou le trouver si besoin est. Ne me touchez pas! Vous ne savez pas à qui vous avez affaire! Zenitha, offre-moi ta patience. Que signifie cette intrusion? Qui êtes-vous? Que cherchez-vous exactement? Je vous préviens, je suis le favori de la fille de Cytis. Elle vengera chaque infamie que vous me ferez subir. Nous avons besoin de renseignements, nous cherchons Quistley Sylvel. Quistley Sylvel ? Il appartient à l'Allée désormais. C'est la fille de Cytis. Et nul n'ose la défier. Partez tant que vous le pouvez. Vous seriez fou de croire que vous pouvez le sauver. S'il arrive quoi que ce soit à Quistley, vous ne sortirez pas d'ici. Non, non. Quistley est le consort de l'Allée.
Vous les trouverez au cœur du mépris. Je crois que l'entrée se trouve là d'où vous venez. Ou peut-être plus loin. Mais ils ne courent aucun danger pour le moment. Ils ont quelqu'un d'autre à sacrifier aujourd'hui. Ne me faites pas de mal. Quelqu'un d'autre ? Ils ont capturé une elfe noire qui rôdait dans le coin. Elle fait face à la mort des crocs de cristal dans la pièce voisine. Mais la laine n'y est pas. Elle préside depuis le cœur plus bas, avec son frère. Votre Quisley est avec eux, je crois. Bastien, que comptez-vous faire de cet adepte ? Je ne le crois pas. Je pense qu'il en sait davantage qu'il ne le dit. La fille de Citis ? Le cœur du mépris ? Je n'en reviens pas. Quisley est tombé amoureux d'une adoratrice de la mort ? Quisley est du genre à rejoindre une secte ? Au contraire. Quisley ne s'intéresse qu'à lui-même. Soit ses adeptes de Citis lui ont caché leur vraie nature pour l'attirer, soit il est si amoureux de cette femme qu'il ne comprend pas le danger. D'une manière ou d'une autre, je dois le tirer de là. Et Tenarei Vels ? J'hésite à croire cet adepte. Mais nous ne devrions pas les laisser sacrifier qui que ce soit. Même pas Tenarei Vels. Séparons-nous. Continuez d'avancer, au cas où il dirait la vérité. Je vais essayer d'en apprendre davantage sur la fille et le cœur. À plus tard. Pitié ! Je sais où trouver une carte de cet endroit. Pas très loin. Mais ne me tapez pas ! C'est très louable. Dites-moi plus. À l'aide ! Brisez ces cristaux ! Je vous en prie, ils vont me tuer ! Ces idiots. Oh, j'ai l'impression qu'un millier de petites araignées me piquent la peau. C'était horrible. Oh, et merci. Je ne sais pas ce qu'une personne comme vous fait ici, mais je ne me plains pas. J'aide Bastien Alix à trouver son frère adoptif. Ah, le mage consciencieux mais pas très malin. Je suis sûre qu'il m'en veut. J'ai fait en sorte de ne pas le blesser grièvement. Et je comptais vraiment le libérer dès que j'aurais eu fini mon affaire ici. Ça n'avait rien de personnel. J'ai libéré Bastien et trouvé votre contrat avec Lars Tull. Alors vous comprenez mon problème. J'ai besoin de Sylvel si je veux me débarrasser de Lars Tull. Mais ça ne vaut pas la peine d'y laisser ma vie. Aidez-moi à m'en sortir et je vous aiderai. J'ai regardé une carte, alors je sais où se trouve Sylvel. Très bien, en route. Je me suis dit que j'allais entrer discrètement, assommer un ou deux contrebandiers, attraper le dénommé Quisley et rentrer à Leiawin pour le dîner. Perdu. J'ai croisé une opposition déterminée et des adeptes dérangés qui prient Citis. Que savez-vous d'autre sur cet endroit ? Pas grand-chose. Lars Tull se doutait que Quisley se cachait dans une caverne de contrebandiers sur la côte. Je comptais les inspecter toutes. Puis j'ai trouvé votre ami Bastien. Mais cette histoire de contrebandier ne collait pas. Elle me chiffonnait depuis le début. Quelle est la dette de Quisley Sylvel envers Lars Tull ? Elle doit être conséquente, si Lars Tull est prêt à oublier ce que je lui dois pour mettre la main sur Quisley. Dommage pour lui, mais ça me permettrait de me tirer d'une sale situation. Lars Tull vit confortablement grâce aux erreurs d'autrui, ou à leur désespoir. Comment avez-vous contracté une dette auprès de Lars Tull ? J'ai emprunté de l'or en prévision d'un gain ultérieur, comme tous les joueurs. Vous posez beaucoup de questions. Je ne veux pas être grossière, mais je préférerais vraiment trouver Quisley et partir d'ici. Ces adeptes ont déjà essayé de me sacrifier une fois, après tout. Vous avez parlé d'une carte ? J'ai trouvé les notes d'un pauvre érudit. Apparemment, il était venu explorer les ruines. J'espère qu'il a eu l'idée de battre en retraite quand il a vu la secte. Mais il lui est sans doute arrivé malheur. Vous avez vu une salle appelée le cœur du mépris ? Oui. Elle est tout au fond de ce labyrinthe, naturellement. Les notes de l'érudit indiquaient qu'il s'agit d'un temple oublié, autrefois consacré à Citis. Enfin, il ne doit plus être oublié. Parfait. J'ai vu une carte grossière de cet endroit avant de me faire capturer. Vous ne faites pas partie de cette secte, n'est-ce pas ? En fait, on dirait que vous êtes perdu.
Votre ami Elfe Noir me regarde avec une grande méfiance. C'est tout à fait compréhensible, mais je ne suis pas esclave de mes appétits. Pourquoi traversez-vous le creux du mépris ? Nous cherchons un... de Citis aime à sacrifier des étrangers. Je voulais en placer une. Nous cherchons un breton appelé Chrysler Filvel. Je connais son nom. C'est la fille de Citis qui le tient. Ces horribles usurpateurs de Citis. Je peux vous montrer le passage que vous cherchez pour me venger de mon emprisonnement. Cela nous serait utile. Ils ont caché l'interrupteur de la porte secrète sous cette caisse, là, près du mur. C'est intelligent pour un enfant. Je n'arrive pas à croire que ces idiots sans volonté comprennent vraiment ce qu'est Citis. En tout cas, merci de votre aide. Attendez, pourriez-vous me rendre un service en échange ? Avant de partir, pourriez-vous ouvrir cette cellule ? Pour me remercier de vous avoir indiqué l'interrupteur, je vous assure que je contrôle tout à fait ma soif. Je ne vous ferai aucun mal. D'accord. D'abord, dites-moi comment vous vous êtes retrouvé dans cette cellule. Je suis venu dans l'espoir que le temple ait des réponses sur mon état. Mais les adeptes m'ont découvert alors que je me nourrissais d'un noble de Gideon. La fille de Citis a été intriguée, mais quand elle a compris que je ne maîtrisais pas encore mes pouvoirs, elle m'a enfermé. Pourquoi ne pas vous transformer en brouillard ? Oui, ce serait une solution élégante à mon problème. Mais mon état est une évolution assez... récente. Je ne sais pas encore le faire. Comment être certain que vous ne nous attaquerez pas ? Je reste capable de gratitude, étranger. Je veux simplement être libre. Je suis venu ici chercher quelque chose de très différent. C'est bien parce qu'un de mes fondateurs est un vampire comme vous. D'accord, je vous libère. Avant de partir, pourriez-vous ouvrir cette cellule ? Pour me remercier. Merci. Ce n'est pas la première fois que je fonce tête baissée dans une situation déplorable. J'essaie d'apprendre de mes erreurs. J'ai réfléchi. Il y a toutes les chances que nous ne trouvions pas Quistley Silvel en vie. Que se passera-t-il si vous rendez les mains vides ? Rien de bon. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai le choix entre ramener Quistley ou prendre sa place, mais on n'en est pas loin. Je dois vraiment me libérer de Larstool. Je l'avais tout juste persuadé de me donner cette chance. Je n'en aurai pas une deuxième. Que suggérez-vous dans ce cas ? Cela va vous paraître horrible, mais si Quistley est mort... J'aimerais avoir sa chevalière. Elle est grosse, en or et sertie de rubis. Si je la rapporte à Larstool, cela montrera que j'ai rempli ma part du contrat. Et il l'accepterait pour régler ma dette. D'accord, nous devons trouver Quistley, mort ou vif. Quelqu'un arrive ? Ah, vous voilà. Je crains de n'avoir perdu mon temps avec cet adepte. Il ne savait rien. Je suis content de vous avoir retrouvé. Oh, je vois que... Vous avez rappelé à notre adepte prisonnier le sens de la peur. Il sanglotait par terre quand je suis parti. Mais j'ai rencontré un vampire plutôt bavard. Il m'a dit de quel côté vous étiez parti. Et sérieusement, ne tournez pas le dos à Ténareil. Ne vous inquiétez pas, avez-vous appris autre chose sur cette secte ? Notre ami larmoyant m'a dit que Quistley était complètement épris de la fille de Citis. Comme de bien entendu. Il a dû lui dire que sa famille était riche. Elle le garde en vie pour la rançon. On les trouvera sans doute dans le sanctuaire qu'ils appellent le cœur du mépris. Bah, Ténareil sait où se trouve le cœur, mais elle pense que Quistley est déjà sacrifié. C'est le genre de personne qui s'attend toujours au pire. Moi, je reste optimiste. Je ne m'entends pas toujours avec Quistley, mais je ne veux pas qu'il se fasse sacrifier par la secte sur la place publique. Il faut bien que quelqu'un paie les dettes de Quistley à Leowyn. Pas de sa vie. Je trouverai quelque chose. Je trouve toujours. Mais au cas où, prévenez Ténareil de ne pas se laisser emporter lorsqu'on retrouvera Quistley. Elle m'a pris au dépourvu une fois. Ça ne se reproduira pas. Essayons de le trouver, puis nous trouverons une solution. Et vous n'allez même pas vous excuser. Je vous demande pardon.
Quistler ! Bastio, qu'est-ce que tu fais ici ? Je ne suis pas en état debout, de mon frère. Je vais tue ces intrus. Je vais... Oh, oh là là là. Je vais rester à l'écart. À moi, Winnie. La la laisse et la la lit. Oh là là. Prends ça. Si on tue la lait, peut-être que la Tronac va mourir. Non. Ah. Oh. Il y était pour rien. Bon, alors on va se battre. Bah oui. Filons. Comment oses-tu ? L'allée ne m'aurait jamais fait de mal. C'est elle qui me l'a dit. Elle assassine des gens, espèce d'idiot. Tu étais sans doute le prochain sur la liste. Ce n'est pas à toi que je parle, Bastien, ni à cette elfe noire grossière qui vient de me rire au nez. Vous avez tout gâché. Vous et ce balourd que mon père a envoyé à mes trousses pour me gâcher la vie. Et cet elfe noir que je ne connais même pas, qui venait m'étouffer à son tour. Pour qui vous prenez-vous tous ? Nous ? Nous, on vous a sauvé la vie. Les adeptes, comptez-vous sacrifier ? Eh bien, c'est juste votre avis. Tout le monde m'a traité comme un invité d'honneur. Et Lalay, la fille de Citys, m'a choisi comme consort. Elle m'a dit qu'elle me donnerait bientôt le baiser de Citys. Pourquoi avez-vous gâché tout cela ? Le baiser de... Bastien dit que vos parents demandent votre retour. Je n'en reviens pas qu'ils aient renvoyé Bastien me chercher. Ils me traitent tous comme si j'étais un enfant qui se perd à longueur de temps. Je suis tout à fait capable de gérer mes propres affaires. Je refuse de l'accompagner. Ah bon ? Tenare dit que Lars Luz aimerait vous récupérer aussi. Ça ne m'intéresse... Pardon, vous avez dit Lars Tull ? C'est pour ça que l'elfe noir est là. Je l'ai déjà vu dans son quartier général. Oh, je lui dois peut-être un peu d'or. Quel que soit celui qui vous emportera, vous avez de la chance de sortir d'ici vivant. M'emporter ? Je ne suis pas un sac de farine qu'on se dispute. Bon, très bien. Bastien travaille pour moi. Indirectement. Je vais l'accompagner. Je peux écrire une reconnaissance de dette à l'elfe noir. Elle la remettra à son patron. C'est un être abject. Je ne suis pas certain que la décision vous appartienne, Quisley. Bastien n'a pas l'air d'apprécier Quistley. Je me demande pourquoi. Nous avons comparé nos notes pendant que vous parliez avec cet imbécile. Bastien a dit qu'il savait peut-être comment résoudre la situation à notre avantage à tous les deux. Vous ne voulez pas amener Quistley à Larstool ? Il y a des années de cela, j'ai tout perdu en essayant de tirer mon frère d'une affaire louche. Larstool a proposé de m'aider. Je continue de le payer. Il serait merveilleux d'être débarrassé de Larstool. Et de le berner par la même occasion. Ça semble risqué. Si Bastien est prêt à m'aider, et peut-être à oublier que je l'ai assommé et attaché, je pense que nous pourrons trouver une solution. Je vais lui parler pour voir ce qu'il en pense. Une fois que nous aurons emmené Quistley loin d'ici, ce sera fini. J'ai largement payé ma dette à sa famille. Bon, je crois que j'ai trouvé une solution. Si Tenarei est prête à m'écouter, en tout cas. Je veux bien oublier le coup sur la tête pour régler cette histoire. Qu'avez-vous en tête ? D'abord, il faut sortir Quistley du bois noir. Tenarei n'a rien de personnel contre lui. Enfin, pas plus que ceux qui le rencontrent normalement. Mais le criminel à qui elle le rapporterait pourrait le tuer. Quistley accepterait cette idée ? Je vais menacer de raconter toute l'histoire à ses parents s'il ne coopère pas. Je vais le renvoyer tout droit à Dak Filante. Quistley sait que le seigneur Silvel peut lui couper les vivres. C'est la seule menace qui lui fait vraiment peur. Il devrait gagner sa vie par lui-même. Et Tenarei ? Je pense que nous pourrons tous en réchapper. Nous renvoyons Quistley chez lui en secret, puis nous faisons en sorte que Tenarei ait quand même quelque chose à rapporter à Lars Tull. Merci, mon ami. Je pense que le seigneur Silvel serait d'accord. Vous avez mérité votre paiement. N'oubliez pas que vous avez une dette et que vous devez m'accompagner en tant que soigneur. Qu'en dites-vous, Tenarei ? Acceptez-vous de tenter le coup ? Je vais devoir apporter à Larstool la preuve du décès de Quistley. De quel genre de preuve avez-vous besoin ? Si j'apporte la chevalière de Quistley... Je suis là !
Cette chevalière devrait pouvoir couvrir l'essentiel de la dette de Quistley Silvel. Quoi? Ma chevalière? Hors de question que je vous donne quoi que ce soit! Bastian! Empêche cette femme de m'approcher! Et voilà. Je vais expliquer à Quistley pourquoi il ne doit plus jamais venir au Bois Noir. Merci. Cela devrait régler mon compte avec Larstool. Et peut-être le vôtre avec cet ingrat et sa famille. Nous devrions partir. Je ramènerai Quistley lorsqu'il se sera calmé.